Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'égauchissage. Pourquoi? Parce que je suis occupé à faire des portes et comme à l'habitude, au moment du dégauchissage, on tombe sur des cas particuliers. Et généralement, qu'est-ce qu'on vous apprend, ou en tout cas les tutos que moi je peux voir sur YouTube, c'est comment dégauchir une planche. Et généralement, c'est quoi? Vous prenez votre planche, vous poussez avec votre main vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, et vous maintenez votre planche sur la table de sortie. Une fois sur la table de sortie, vous poussez et vous récupérez votre planche, et votre planche est dégauchie. Alors ça, oui, ça fonctionne quand vous avez des planches qui sont planes déjà dès le départ, ou qui ont une légère bosse et qui surtout ont la même taille que votre table de dégauchisseuse. D'accord? Mais il y a des cas particuliers, et dans ce cas-là, par contre, j'ai un peu cherché, pour être tout à fait honnête, pour être certain que déjà ma vidéo avait un intérêt, et ensuite pour voir si justement les personnes qui, ben voilà, vous donnent des informations, se disent experts, etc., vous donnent finalement les bonnes techniques pour pouvoir dégauchir une planche dans des cas particuliers où justement on doit dégauchir quelque chose. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été très surpris parce que je n'ai trouvé qu'une seule vidéo qui reprenait la technique. Donc, parce que là, il y a une technique correcte qu'on apprend dans les écoles et qui est faite justement pour être mise en place et non pas jouer avec des coins et ce genre de choses. Je vous explique tout de suite de quoi on parle. Donc ici, on est face à une planche qui est totalement gauche. Alors, ça veut dire quoi une planche qui est gauche? Ben, c'est une planche, si vous voulez, qui est vrillée. Donc, c'est-à-dire que elle touche sur son extrémité droite ici en bas et j'ai un espace de 1 cm ici sur l'avant à gauche. Et j'ai l'inverse de l'autre côté. C'est-à-dire que ici, ça touche et là, j'ai 1 cm de différence. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, je dois reprendre de la matière dans le coin, d'accord? Et je dois reprendre de la matière ici dans le coin à l'arrière, mais à l'opposé, d'accord? Puisque les deux coins opposés doivent être pris pour avoir une surface plane. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais appuyer ici sur l'arrière, pousser vers l'avant, tout en maintenant tout simplement ma planche sur la table de sortie, mais sans appuyer, donc ne pas la faire basculer, juste la maintenir, pousser sur l'arrière, comme ça je reprends de la matière sur le coin avant droit, et arrivé à la moitié, je fais l'inverse. Je bascule ma planche, je continue à pousser sur l'arrière, mais tout en maintenant ma planche sur la table de sortie, et automatiquement, je reprends la matière sur le coin gauche. D'accord? Donc, je vous montre. Donc, je vais appuyer sur l'arrière de ma planche, et je vais reprendre donc ici le coin. Hop, là, d'office, je reprends de la matière sur le coin avant. Et je continue à appuyer tout simplement sur l'arrière. Donc je la guide vers l'avant, tout simplement pour que ça reprenne de la matière. Et je maintiens ma planche sur la table de sortie, uniquement pour avoir la face de référence et continuer à couper sur la partie droite, sur le coin avant droit de ma planche. Une fois arrivé à la moitié, je dois reprendre ce coin-ci. Donc qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais appuyer sur ma planche à l'avant gauche, continuer à pousser, et là, c'est le coin arrière gauche qui est occupé à être pris en termes de matière. Et donc, quand je serai passé de l'autre côté, j'aurai un plat ici, un plat sur l'avant droit, et donc j'aurai deux points de base pour faire ma deuxième passe et donc avoir une surface parfaitement plane. Qu'est-ce que j'ai vu moi comme technique en fait sur YouTube? C'est soit on met un coin comme ceci qui va récupérer ou qui va compenser la moitié de la différence que l'on peut avoir. Donc ici, 1 cm, on va régler pour qu'on ait 5 mm ici. Pousser. Et puis, arriver là tout au bout de notre planche, commencer à retirer le coin, etc. Bon. Honnêtement, en termes de sécurité, j'ai vu mieux. Et en termes de technique et d'être intuitif, c'est quand même pas top top. Jouer avec ses deux mains et commencer à essayer de retirer un coin pour ne pas que ça rentre dans l'arbre, etc. Bon, c'est quand même pas top. Ensuite, j'ai vu des personnes qui utilisaient des cales. Donc, ils vont prendre une cale d'épaisseur qui correspond donc de nouveau à cette moitié d'épaisseur, qui viennent la mettre et puis qui font leur passe. Et donc, la plupart du temps, on vous dit, ben voilà, s'il y a 1 cm de différence
sur l'avant et sur l'arrière, d'office, vous allez perdre 5 mm de la matière, c'est-à-dire la moitié de cette différence. Or, c'est totalement faux, parce que si vous savez dégauchir correctement en bois et que vous avez la technique pour dégauchir correctement en bois, vous allez pouvoir sortir la matière dont vous avez besoin. Moi, ma planche ici, elle fait 45 mm. D'accord. Hein, elle fait 45 mm, d'accord ? Et de cette planche, moi, je dois absolument, absolument sortir du 40 fini. 40 fini, c'est-à-dire dégauchi, un short d'équerre, mise à épaisseur, 40 fini. Alors vous allez me dire, avec une si grosse différence de gauchissement, c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Et bien je vais vous démontrer et vous montrer que je vais non seulement y arriver et que c'est très simple et en toute sécurité quand on a compris le principe. Allez, j'allume la spi, je mets la machine, je mets la sécurité et je vous montre. Alors, vous me pardonnerez le retrait de la sécurité, en tout cas du pont de sécurité, pour vous montrer en fait les étapes. Donc, vous avez remarqué que de 45, je suis à 42, d'accord ? Et j'ai fait 3 passes. Donc, je règle ma machine à 1 mm, d'accord ? Et je fais mes passes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Plutôt que d'appuyer sur l'avant, j'ai appuyé sur l'arrière pour aller rechercher le coin avant droit. Une fois que j'ai passé l'arbre, je viens juste maintenir ma planche sur la table de sortie. Je n'appuie pas comme un bœuf. Je la maintiens et j'appuie ici sur l'arrière, sur le fameux creux. D'accord ? Et une fois arrivé à la moitié, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, une fois arrivé à la moitié, je fais l'inverse. C'est-à-dire que j'appuie là où il y a le creux, à gauche. Et je viens récupérer, donc dans ce cas-là, la matière sur le coin arrière-gauche, d'accord ? Ou j'appuie sur l'avant, je ne sais plus. Je ne me souviens plus du gauchissement, mais vous avez compris. C'est-à-dire que je dois d'abord appuyer là où il y a l'espace d'un côté, donc ici à gauche pour récupérer le coin droit, je pense, je ne sais plus. Et vice-versa, d'accord ? Mais bien penser que quand vous êtes à la moitié, c'est sur l'avant que vous appuyez sur la compensation, d'accord ? Vous allez récupérer le creux et vous allez donc avoir un plat sur l'avant droit et un plat sur l'arrière gauche. Une fois que ça c'est fait, on a quelque chose déjà de plus ou moins stable et puis soit on fait une passe complète si c'est suffisamment stable ou on répète la même opération en appuyant de nouveau sur le creux et la bascule à la moitié. Vous avez vu, j'ai fait 3 passes, je vous ai montré la mesure, 42 mm, donc vraiment aucun problème. Maintenant, on voit que je suis parfaitement plan, donc c'est parfaitement dégauchi. Je vais retourner ma planche pour que vous voyez que les deux côtés sont pareils. Je suis parfaitement plan et parfaitement dégauchi. Voilà, donc ça c'était pour la petite technique. Quand vous avez un bois qui est totalement tordu, et maintenant je vais vous poser
une question par rapport à un montant qui fait 2,10 m de long et qui est complètement creusé. Et ça, j'aimerais avoir votre solution à tous. Et demain, je vous donne ma solution. Alors voilà mon deuxième cas de figure. Donc, j'ai un montant de porte ici qui fait 45 mm d'épaisseur, comme la planche que je viens de dégauchir. D'accord? Malheureusement, ici, au centre de la poutre, j'ai un creux qui est dû au retrait d'un nœud et une bosse par-dessus également. La distance entre les deux, j'ai pris le temps de tirer des cordex, donc c'est-à-dire que j'ai tiré un cordex du coin de ma planche au coin de la planche, parfaitement rectiligne, et je l'ai tiré en rouge, comme ça vous pouvez voir. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'ai tiré un deuxième trait de cordex là où il y a le creux pour me donner la mesure si je reprenais la matière en suffisance à l'intérieur pour aller rechercher le creux. Malheureusement, quand je prends mes deux traits de cordex et que je viens mesurer à l'intérieur, je n'ai que 33 mm. Or, j'ai besoin de minimum 38 mm pour faire mes montants de porte. Donc ici, en l'occurrence, je vous ai montré sur la traverse qu'on savait en sortir du 40 sans aucun problème, mais mes portes font 38. Donc ici, j'ai largement de quoi sortir ma traverse de porte qui fera 38 mm d'épaisseur. Ici, je devrais pouvoir également sortir du 40 mm d'épaisseur, mais je voulais, en tout cas, je voudrais vous démontrer que je saurais sortir du 38 mm de ce montant, malgré le fait qu'elle est plus longue que mes deux tables et que j'ai une bosse ici à l'intérieur qui me fait un creux à l'intérieur ici de 5 mm et une bosse de l'autre côté qui fait plus ou moins 6 mm. Donc si je prends le creux et la bosse, j'ai quasiment 1 cm de perte ici au milieu. À la différence, c'est que l'endroit du creux et les deux traits de cordex, j'ai 35 mm. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, en tout cas de comprendre la situation. Ce que vous devez comprendre, c'est que je suis droit, mais j'ai une bosse au milieu de ma planche qui devrait me faire perdre plus ou moins 1 cm d'épaisseur. À la différence, c'est que ma planche n'est pas banane. C'est un creux dans le bois et non pas mon bois qui fait banane. D'accord? Et ça, c'est une petite subtilité importante pour la méthode de dégauchissage pour me permettre d'avoir cette fameuse épaisseur de 38 mm. Je vous laisse réfléchir. Je vais maintenant dégauchir mon bois et filmer le dégauchissage pour vous expliquer la méthode que j'utilise et comment, justement, dans des cas particuliers comme ceux-ci, on dégauchit en bois et donc pas bêtement ou tout simplement en positionnant son bois et en poussant sur la table de sortie, comme on voit partout. Il y a des cas particuliers et c'est aussi ça, utiliser ces machines et utiliser correctement ces machines pour dégauchir et travailler correctement le bois sans perdre de matière d'une manière inutile ou en tout cas par manque justement de connaissances. Allez, je vous dis déjà à demain pour la réponse à cette question. Je vous laisse cogiter et puis moi je suis parti pour aller faire mon petit travail. Allez, bonne soirée à tous et à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!